Je vais le présenter en quelques mots. Donc, Philippe Corcuff, c'est au départ un sociologue. Il a fait une thèse de sociologie, une habilitation à diriger des recherches en sociologie. Et il est reconnu également en sciences politiques et aussi en philosophie politique, parce que c'est assez rare, mais Philippe Corcuff a des réflexions qui mobilisent, qui utilisent des philosophes, par exemple Merleau-Ponty ou Lévinas, ou plus près de nous, Miguel Abinsour. C'est une personnalité transversale dans le monde académique, qui est surtout soucieux. J'espère que je te résume bien. C'est très mal de résumer les gens, mais il faut que je dise quelques mots. Philippe, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la sociologie critique, au sens où il considère que la sociologie n'a pas juste à décrire sur un mode qui peut d'ailleurs tendre un peu au scientisme le réel, mais aussi à dénicher des dominations et à regarder comment les individus résistent à ces dominations, voire dessine des chemins d'émancipation. La notion d'émancipation est très importante pour lui. Par ailleurs, il a publié des travaux de toutes sortes, y compris d'ailleurs d'épistémologie des sciences sociales. J'ai même retrouvé dans ma bibliothèque un livre de 95, Philippe Corcuff, Les Nouvelles Sociologiques. C'est un livre que j'ai énormément annoté quand j'étais étudiante. Donc, c'est vraiment quelqu'un dans son domaine qui a brassé beaucoup d'aspects de la sociologie et de la science politique. Il a fait paraître donc ce livre chez Textuel en mars de l'année dernière. C'est un pavé, c'est remarquable, c'est une somme. La grande confusion, comment l'extrême droite gagne la bataille des idées. Et ce livre est une analyse de la manière dont les questions identitaires, les questions d'identité, les questions de nation, mais sur le mode le plus pulsionnel parfois qui soit, vient habiter tous les discours, hein, comment ces enjeux-là ont fini par pénétrer, y compris la gauche, hein, qui se retrouve dans une situation qui est un peu confuse, mêlant des thèmes parfois anciens de la gauche à des thématiques identitaires, problématiques qui viennent en vérité de la droite extrême. Et donc je vais tout de suite lui laisser la parole parce que je sais qu'il éclaire aussi tout cela avec beaucoup d'exemples précis. C'est pourquoi le livre est très gros. Il y a énormément de choses sur le débat des dernières années en France, plein d'exemples. Et en fait, semaine après semaine, sa notion de confusionnisme, qui est un concept très précis, est enrichie par des phénomènes dans l'actualité qu'il analyse au jour le jour. La parole est à toi, Philippe. Est-ce qu'on laisse peut-être 2 minutes à Laurent? Pardon, juste Ah, Laurent, je pardon, crois. pardon, Laurent, je ne... C'est pas grave. excuse-moi. Si tu peux dire 2 mots sur les engagés. Et... Oui, pardon, je me suis connecté avec retard parce que j'ai eu du mal à retrouver le code que j'avais perdu dans les strates de mes outils informatiques. Je suis désolé. Bonjour Philippe Corcuff, merci beaucoup d'être avec nous. Les Engagés, c'est une association qui a été fondée il y a un an, dont le but est de renouveler, je fais court, hein, la pensée social-démocrate en France. L'ambition importante et noble, à mon avis. Donc, c'est une option qui nous rattache à la gauche que j'appelle moi d'action, qui est la gauche réformiste. Et donc, notre travail a consisté à élaborer un programme, ce que nous avons fait, et à procéder à de multiples auditions pour nourrir ce programme, et ensuite à le diffuser autant que possible dans les médias par notre site. Et puis, on a participé à toutes sortes de discussions au sein de la gauche pour unifier progressivement tous ces partis, tous ces clubs qui sont chacun pour l'instant dans leur couloir, en quelque sorte. Et donc, on essaye de constituer une force nouvelle qui soit une force qui se situe, qui irait en tout cas des écologistes jusqu'aux anciens macronistes. Donc, ça, je précise l'identité politique du mouvement. Et puis, maintenant, on va continuer pendant la campagne. À la fois à défendre nos idées, à éventuellement les proposer, ou en proposer des versions programmatiques ou des mesures à tel ou tel candidat qui nous paraîtra digne d'intérêt. Et puis, continuer aussi à discuter sur la constitution de cette force. Et voilà en gros ce qu'on fait. Et nos thèses sont disponibles en ligne pour qui souhaite s'y intéresser. Voilà, j'ai résumé notre affaire.
très, très brièvement. Et surtout, merci de nous consacrer du temps. Et on va être, je pense, tout à fait passionnés par ce que vous allez dire. Bien, merci de cette invitation. Pourquoi titrer ce livre « La grande confusion » ? Pour moi, il s'agit d'éclaircir conceptuellement des problèmes politiques entourés d'une certaine brume aujourd'hui dans les espaces publics en France, mais sous des modalités différentes en Europe, aux États-Unis, au Brésil. Et dans le contexte actuel, ça pourrait être différent dans un autre contexte, brouillard facilite ce que j'appelle une extrême droitisation idéologique. Je distingue ces deux phénomènes autonomes, extrême droitisation idéologique et extrême droite partisane et électorale, puisque les deux phénomènes sont autonomes et une extrême droitisation idéologique peut avoir des effets sur d'autres forces politiques sans nécessairement appeler une victoire, disons, électorale de l'extrême droite. Donc, le livre détaille ça précisément dans ses 672 pages. J'ai commencé à travailler ces matériaux à partir de 2012. Et l'idée, c'est de prendre un peu de recul, alors qu'on a souvent le nez dans le guidon, en abordant des tas de sujets qui viennent successivement dans l'actualité. La place de la nation, les migrants, la laïcité, le néolibéralisme économique, l'islamophobie, l'antisémitisme, les islamismes, le complotisme, etc. Ce sont des thèmes qui sont traités d'une certaine façon dans le livre. Je m'appuie sur des outils de distanciation que je puisse dans les sciences sociales et dans la philosophie politique que j'ai puisé au cours de mon parcours, mais aussi des engagements, puisque je viens de la social-démocratie. J'ai commencé à m'engager en 1976 dans mon lycée au Parti socialiste, au CRS. J'ai resté une dizaine d'années au CRS. J'ai suivi après Jean-Pierre Chevènement au Mouvement des citoyens. J'ai rejoint ensuite les Verts, puis la Ligue communiste révolutionnaire. J'étais un des créateurs du NPA et aujourd'hui, je suis membre de la Fédération anarchiste. Je définis d'ailleurs mon projet politique comme une social-démocratie libertaire. Et un des penseurs principaux de cette social-démocratie libertaire est Emmanuel Lévinas pour moi. Voilà. Voilà un peu les coordonnées de mon parcours qui joue un rôle dans mon analyse, puisque je suis amené dans le livre à me retourner sur mes propres impensées et à me poser la question, mais pourquoi celui qui a été mon leader, Jean-Pierre Chevènement, à une époque, est devenu une des figures du confusionnisme? Pourquoi quelqu'un dont j'ai été proche intellectuellement et amicalement est un des promoteurs intellectuels du confusionnisme? Il s'agit de Michel Onfray, etc., etc. Donc, je reviens aussi sur mes propres impensées et le fait que je n'ai pas vu des processus idéologiques qui étaient en cours à travers mon propre parcours intellectuel et militant. Tout d'abord, les arêtes conceptuelles de mon travail, les trois fils conceptuels principaux, je les appelle ultra-conservatisme, confusionnisme et identitarisme. C'est pour moi ce que Michel Foucault appelle dans les textes de 1969 des formations discursives. Je parle aussi de formations idéologiques. C'est-à-dire que ce sont des espaces rhétoriques idéologiques composites, peuplés de contradictions, de conflits, mais qui vont dessiner sans que personne le maîtrise des cohérences partielles. C'est ce que on pourrait appeler, en empruntant aussi une expression à Pierre Bourdieu, une orchestration sans chef d'orchestre. Et le propre de telles formations discursives, c'est que les locuteurs qui participent ont une fort inégale conscience de ce à quoi ils participent, ainsi que la dynamique d'ensemble. Ces trois formations discursives sont autonomes, dotées seulement d'intersections, d'interactions. Alors, ultra-conservatisme, ce sont des mélanges idéologiques qui associent plus ou moins des xénophobies, dont la xénophobie anti-migrant, l'islamophobie et ou l'antisémitisme, le sexisme, l'homophobie, dans un cadre nationaliste qui fantasme un peuple homogène culturellement, un peuple-nation.
On pourrait dire que l'antisémitisme de l'idéologue de l'underground d'Internet Alain Soral, l'islamophobie, la négrophobie du polémiste médiatique devenu pré-candidat présidentiel Éric Zemmour, le conspirationnisme du grand remplacement de l'écrivain Renaud Camus, ou l'apartheid culturel promu par Hervé Juvin constituent des constructions idéologiques phares de cet ultra-conservatisme que j'analyse un peu précisément ces différents auteurs dans le livre. Notons que le moins connu des quatre, Hervé Juvin, actuellement député européen du Rassemblement national, et qui a été à la tête de la liste RN pour les élections au Pays de la Loire. Hervé Juvin a une particularité intéressante pour le thème que va suivre, le confusionnisme, puisqu'il a publié 5 livres aux éditions Gallimard dans la collection Le Débat, dirigée par Pierre Nora et Marcel Gaucher, entre 2005 et 2016. À l'époque, il est membre d'aucune organisation politique, n'est pas identifié clairement sur le plan politique. Pourtant, un des livres que j'analyse précisément dans La Grande Confusion, La Grande Séparation, publié chez Gallimard en 2013, est déjà clairement un livre d'extrême droite qui est une prise de position pour un apartheid culturel. Et on en vient au deuxième thème parce que cela participe au confusionnisme actuel. Comment deux figures de la gauche modérée comme Pierre Nora et Marcel Gaucher ont pu publier un livre d'extrême droite en 2013 sans s'en rendre compte? Le confusionnisme, ça renvoie justement au développement d'interférences entre des postures et des thèmes d'extrême droite, de gauche modérée ou de gauche radicale. C'est pas les extrêmes se rejoignent parce que c'est transversal à l'ensemble de l'espace politique et idéologique. Alors, des postures, ça peut être le remplacement de la critique sociale structurelle des inégalités et des dominations, des discriminations portées historiquement par la gauche, par une critique superficielle du politiquement correct, les schémas complotistes ou la focalisation sur les personnes dans la critique, hein, hier Sarkozy et Hollande, aujourd'hui Macron. Des thèmes, la valorisation du national et la dévalorisation du mondial et de l'européen, une dénonciation qui amalgame la dynamique des droits individuels portés par le libéralisme politique et la domination par le marché portée par le néolibéralisme économique, la fixation positive ou négative d'identité, positive identité nationale, négative par exemple des musulmans, ou l'effritement de la frontière symbolique avec l'extrême droite. Ces processus idéologiques s'opèrent dans un contexte de fort recul du clivage gauche-droite, et donc confusionnisme n'est pas synonyme de confusion, mais a un sens idéologique plus précis. À gauche, aussi bien l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls, le professeur de sciences politiques de centre-gauche des Républicains Laurent Bouvet, que l'économiste et philosophe de la gauche radicale Frédéric Lordon y ont, par exemple, contribué. L'identitarisme, troisième formation discursive, c'est réduire des personnes et des groupes à une identité principale, homogène et fermée. Par exemple, une identité nationale ou une identité religieuse. Une identité positive valorisée ou une identité négative dénoncée. Il faut distinguer donc, comme il faut distinguer confusionniste de confusion, confusionniste c'est pas toutes les confusions, il faut distinguer identitariste d'identité. L'identitarisme c'est en quelque sorte une pathologie de l'identité. Dans l'espace politicien, un identitarisme particulier a été assez transversal et a été des locuteurs très diversifiés. Que j'appelle l'identitarisme national-républicain spécifiquement français. Il a pu être défendu à l'extrême droite par Marine Le Pen, par Nicolas Sarkozy à droite, par Emmanuel Macron ou dans la gauche radicale par Jean-Luc Mélenchon. Mais l'identitarisme n'a pas nécessairement à voir avec le confusionnisme ou l'ultra-conservatisme dont j'ai parlé. Par exemple, les islamo-conservatismes, dans leur pôle légaliste ou leur pôle djihadiste, soutiennent une forme d'identitarisme politico-religieux, c'est plus large. J'ai dit que ces trois formations discursives étaient autonomes, avaient des interactions et des intersections. Donc ça, c'est le cadrage principal. Deuxième entrée, le problème, c'est comment sortir le nez du guidon et éviter des indignations sélectives. Et pour ça,
En fait, je me suis retourné sur. Je suis revenu sur la rupture entre Merleau-Ponty et Sartre en 1953-55. On a tendance, face à l'actualité, le nez dans le guidon, dans le zapping, ce que François Hartog, l'historien, appelle le présentisme. On a tendance à prendre les événements les uns après les autres sans nécessairement de faire de lien entre eux. Et donc, certains de ces événements nous indignent ponctuellement, d'autres non. Et ce présentisme va faciliter les indignations sélectives et les mécanismes manichéismes concurrents. J'analyse dans le livre, par exemple, la concurrence entre ceux qui luttent principalement contre l'islamophobie et ceux qui luttent principalement contre l'antisémitisme. L'opposition entre ceux qui défendent une vision de la laïcité principalement orientée contre les musulmans et ceux qui réduisent la laïcité à une forme coloniale. Bon. Ceux qui tendent à amalgamer avec l'islamisme toute une série d'éléments hétérogènes jusqu'à le port du voile musulman et ceux qui ont une certaine complaisance ou une minoration de la question des islamo-conservatismes. Et donc, j'analyse ces manichéismes concurrents et ces indignations sélectives. C'est facilité par le présentisme et ça freine la constitution d'une boussole globale. Or, la pensée critique, elle est nécessairement engagée dans son époque, mais elle est aussi distanciée et donc elle n'est ni pensée ni critique si elle n'est un simple habillage de préjugés qui émanent le l'air du temps, événement après événement. C'est là où la rupture amicale, intellectuelle et politique de juillet 1953 entre Maurice Merleau-Ponty et Jean-Paul Sartre est intéressante, prolongée par la publication par Merleau-Ponty des Aventures de la dialectique en 1955. Dans les critiques que Merleau-Ponty fait au positionnement de son ami Sartre, alors compagnon de route du Parti communiste, il met en garde contre ce qu'il appelle un rapport à l'engagement qui colle à l'événement sans distance. Dans, dit-il, la prééminence du point de vue de l'instant. Et cette posture ne permet pas de resituer le communisme stalinien dans un cadre global. Sartre oublierait les outils de distanciation intellectuelle propres à son métier de philosophe. C'est événement par événement, sans suffisamment les relier entre eux, que Sartre avalerait les couleuvres de la politique stalinienne sans pouvoir suffisamment prendre la mesure du stalinisme comme nouvelle forme d'oppression. Il ne s'agit pas pour autant chez Merleau-Ponty d'aplatir l'événement comme cette illustration d'une supposée vérité surplombante, mais bien de prendre au sérieux l'événement en ménageant, dit-il, une distance entre l'événement et le jugement qu'on en fait. Et donc en désarmant ce qu'il appelle le piège de l'événement, dans un va-et-vient entre l'événement, dit-il, et la ligne générale. Donc se dessine chez Merleau-Ponty une articulation entre engagement et distanciation et implication dans l'époque et boussole globale. Pour présenter ça et pour ne pas être trop long, je vais revenir, je crois que Géraldine a diffusé la tribune que j'ai écrite avec mon collègue Philippe Marlière sur le site de l'Obs, trois épisodes confusionnistes présents qui montrent l'importance de relier des événements successifs avec qu'on prend tel quel et dont on ne voit pas la parenté. Hein. Sans un cadre globalisant, sans une boussole globale. C'est des événements qui sont intervenus après la finalisation du livre qui a été faite en novembre, début novembre 2020, et le livre paraissant en mars 2021. Donc, différents événements sont venus plutôt, à mon sens, malheureusement, appuyer certaines des hypothèses du livre. Le lien entre ces événements n'a pas été perçu nécessairement par les commentateurs. Et même la réception médiatique du livre, qui a été tout à fait correcte, principalement située en mars-avril, a été elle-même prise par le zapping présentiste que la démarche du livre s'efforce de mettre à distance. Et à l'époque, mais en mars-avril, les questions des médias ont surtout tourné sur la crainte d'un score du Rassemblement national aux élections régionales de juin 2021. Or, je parle peu du Rassemblement national dans mon livre, je m'intéresse surtout
à l'extrême droitisation idéologique et ce qui, à droite et à gauche, la favorise. Et puis, les résultats des régionales ont calmé exagérément les inquiétudes médiatiques, les journalistes passant à autre chose. Et j'ai commencé à mieux saisir que le cadre global du livre, c'est-à-dire la formulation de repères transversaux qui permettent de relier des événements apparemment hétérogènes, avait été rarement bien compris. D'où cette tribune qu'on a publiée le 11 septembre dans l'Obs avec Philippe Marlière, pour relier trois de ces événements récents qui sont venus après le livre. Tout d'abord, premier événement, dans des interactions entre macronisme et gauche dite républicaine, le fantasme de l'islamo-gauchisme a déclenché une première vague. On se souvient des déclarations le 14 février 2021 de Frédéric Vidal sur l'islamo-gauchisme qui, disait-elle, gangrène la société dans son ensemble et ajoutait-elle par rapport auquel l'université n'est pas imperméable. Cette double attaque visant à la fois encore les musulmans, entre guillemets, ainsi qu'une pensée critique qui est associée au djihadisme, a ensuite été relayée par des intellectuels républicains de gauche regroupés dans l'Observatoire du colonialisme, Pierre-Andetta Gieff, Nathalie Henisch, etc. Ces intellectuels ont y compris mis en cause des personnes modérées et relativement consensuelles jusqu'à présent dans l'analyse du racisme, comme Nona Meyer ou Michel Viellurka. Cet activisme confusionniste au nom d'une république empreinte d'un passé sexiste et coloniaux a produit un dommage collatéral. Le 7 juin 2021, le philosophe Raphaël Ntoven, se situant dans cette mouvance dite de gauche républicaine, a indiqué sur Twitter qu'il voterait Marine Le Pen si le deuxième tour l'opposait à Jean-Luc Mélenchon. Du côté de la gauche radicale, et pour des raisons opposées, l'écrivain François Bégodeau avait écrit dès 2019 dans son livre « Histoire de ta bêtise » qu'il préférait Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, il ajoutait dans le livre qu'il préférait Éric Zemmour à Raphaël Ntoven. L'alliance entre macronisme et gauche dite républicaine devrait d'ailleurs s'accentuer à la rentrée, puisqu'on annonce la création par Jean-Michel Blanquer d'un club, d'un laboratoire républicain, et on indique que Jean-Pierre Chevènement, Manuel Valls, Jacques Julliard ou Caroline Fourest sont pressentis pour en faire partie. Première vague confusionniste. Deuxième vague confusionniste, elle n'a pas touché les mêmes acteurs, pas la gauche dite républicaine. Elle a touché les partis les plus anciens et centraux à gauche, le PS, le PCF, Europe Écologie Les Verts. Olivier Faure, Fabien Roussel, dans la logique d'ailleurs du tournant sécuritaire de sa campagne présidentielle, et Yannick Jadot ont ainsi participé le 19 mai 2021, aux côtés de responsables du Rassemblement national et d'Éric Zemmour, à une manifestation organisée par des syndicats de policiers. Cet événement était explicitement orienté contre la justice et avait un contenu ultra-sécuritaire. Le premier secrétaire du PS y a même envisagé un droit de regard de la police sur les décisions de justice, faisant ainsi exploser les règles de base d'un état de droit. D'autre part, que ce soit Olivier Faure ou Fabien Roussel, ils empruntent fréquemment à la gauche dite républicaine une conception assez intolérante de la laïcité vis-à-vis des pratiques religieuses et culturelles des musulmans, qui, à mon sens, méconnaissent la loi de 1905, celle-ci proposant un dispositif original de préservation de la liberté de conscience au sein d'une société composée d'une pluralité de croyances et d'incroyances dans le cadre de la séparation des pouvoirs publics et des églises. Troisième vague confusionniste, elle touche encore un secteur différent de la gauche radicale cette fois-ci. Ce sont les manifestations anti-pass sanitaire. Les Gilets jaunes avaient constitué un mouvement contradictoire avec des dimensions émancipatrices, aspiration à la justice sociale et une démocratie plus horizontale, mais aussi des penchants confusionnistes, nationalistes et complotistes notamment, et des composantes même ultra-conservatrices plus minoritaires, dénonciation de la cistana ou antisémitisme. Un long chapitre de mon livre est consacré au caractère composite des Gilets jaunes. Or, les aspects émancipateurs apparaissent en recul et incertains au sein du mouvement anti-pass sanitaire. Dans les cortèges hebdomadaires protestant contre la mise en œuvre du pass, le conspirationnisme, un négationnisme larvé, l'antisémitisme et un rejet de la vaccination sont particulièrement virulents. L'extrême droite a une certaine empreinte sur l'image publique du mouvement. La France insoumise, en particulier par les voix de François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, a été en pointe dans le soutien au mouvement, a essayé d'ailleurs d'entraîner toute la gauche radicale dans son sillage à travers un appel ambigu publié le 22 juillet dans Libération parlant de la société de contrôle généralisée.
qui existerait aujourd'hui. Les pratiques ont toutefois été hésitantes et contradictoires selon les villes, les localités, le terrain et les organisations. La gauche radicale présente dans les cortèges a appuyé des conceptions plutôt libertariennes de la liberté et non celles liées à la solidarité propre à l'histoire du mouvement ouvrier. Par ailleurs, la gauche critique intellectuelle a malheureusement fourni des figures légitimantes du côté obscur de la force de ces manifestations. Avec le sociologue Laurent Mucchielli, elles ont trouvé un défenseur d'un complotisme anti-vax. Barbara Stiegler, devenue une des principales figures intellectuelles des antipasses, a mis en forme philosophiquement le confusionnisme du mouvement. Catastrophisme, constitution du néolibéralisme en quasi-mal absolu, au lieu d'en faire d'un des mots qui nous contraint, schéma conspirationnisme et fantasme de la société de contrôle. On pourrait ajouter à ces trois épisodes confusionniste qui affecte en fait des secteurs différents de la gauche, la candidature présidentielle aux accents parapétainistes d'Armand Montebourg, hein, je renvoie aux entretiens qu'il a fait au moment de l'annonce de sa candidature, refus de la ville et retour à la terre dans le cadre du Made in France. Ceux qui établissent aujourd'hui aussi des passages vers l'extrême droite plus directement en ayant navigué entre gauche radicale et gauche dite républicaine, je pense à l'économiste Jacques Sapir ou au philosophe Michel Onfray. Les effets de l'extrême droitisation sont déjà là, ils pèsent sur les agendas politiciens avec le triptyque immigration, islam, insécurité et même sur les politiques publiques, par exemple avec la loi sur le séparatisme. Elles sont amplifiées par une certaine complaisance dans les médias autour du phénomène de la pré-candidature d'Éric Zemmour, qui en ce moment dynamise l'aimantation des débats publics par des thèmes d'extrême droite. La particularité d'Éric Zemmour, c'est que son discours est beaucoup plus à droite que celui de Marine Le Pen. Il est un partisan du grand remplacement. Il a été condamné plusieurs fois pour racisme. Mais en même temps, paradoxalement, il apparaît plus respectable pour des secteurs de la droite. Et puis, il faut ajouter aussi la parole antisémite conquérante sur Internet et sur les réseaux sociaux. Certains observent observent les résultats médiocres du Rassemblement national aux élections régionales en juin dernier et se rassurent à bon compte. Mais d'ailleurs, il est très difficile de tirer des conclusions avec un peu plus de 30% de participation simplement. Et ceux qui sont présentés comme vainqueurs par les médias, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez, ont abondamment usé des recettes sarkozystes en matière d'extrême droitisation. Ils ont continué après. On a vu, par exemple, à un moment donné, Xavier Bertrand demander l'interdiction du salatisme, dont personne ne sait ce que ça peut vouloir dire, interdire le salafisme. Ça n'a pas de signification pratique, mais ça agite un peu plus les passions identitaires. Voilà en fait une présentation rapide de mon cadre. Je voudrais conclure maintenant, avant de passer à l'échange. Il me semble que l'heure est grave parce que c'est l'idée historique même de gauche qui est en péril aujourd'hui. Cette idée qui est née à la fin du XVIIIe siècle. Et qui s'est enrichi avec l'histoire du mouvement ouvrier, le mouvement féministe, le mouvement anticolonial. Or, peu de personnes et de groupes défendent les intérêts à moyen terme de cette idée historique dans les débats publics aujourd'hui. Les professionnels de la politique sont le plus souvent dans des rivalités électoralistes et de pouvoir à très court terme. Les intellectuels critiques sont soit repliés sur l'université, soit pour les plus médiatiques d'entre eux, participent aux dérèglements idéologiques en cours, et d'autres personnalités et militants sont pris dans le zapping présentiste, c'est-à-dire qu'on a un défaut d'incarnation dans l'espace public de ceux qui défendraient les intérêts à moyen terme de l'idée historique de gauche. Pour ma part, j'ai cru dans le sillage des grandes grèves de 1995, j'étais à l'époque un des animateurs de la pétition dite Bourdieu, à la possibilité d'une nouvelle gauche radicale qui se détacherait des tropismes gauchistes de l'extrême gauche post-68 tarde et qui remplacerait à la fois le communisme marginalisé et puis, après la prise de conscience du stalinisme, et puis une social-démocratie social-libéralisée depuis le tournant de 1983. Mais cette gauche radicale, en fait, n'a pas réussi à ouvrir durablement ce chemin. Elle a failli à ses tâches historiques
Et certains de ces secteurs significatifs participent aujourd'hui au dérèglement confusionniste. Aujourd'hui, pour sauver l'idée historique de gauche, je fais le pari d'une gauche d'émancipation pluraliste, pas forcément dans une même organisation, mais dans un espace de dialogue, une gauche d'émancipation avec des composantes réformistes et des composantes radicales, des composantes institutionnelles et des composantes libertaires. C'est pourquoi, tout en étant militant libertaire, d'une social-démocratie libertaire, j'ai accepté de dialoguer avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Philippe. Je me permets juste de reprendre la parole pour l'ordre des choses. Évidemment, là, elle va circuler. Je vais juste me permettre de poser une question pour lancer le débat. Et après, vraiment, je pense que ce que tu as raconté pose mille questions, y compris la petite provocation sympathique gauche radicale, gauche réformiste. J'espère que certains vont rebondir. Moi, je voudrais juste te poser une question. Est-ce que, compte tenu de la dérive identitariste, et nous avons bien entendu ce que tu as dit sur la différence entre les thèmes identitaires et les thèmes identitaristes, est-ce que tu penses quand même que le terreau des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui s'est passé lorsque beaucoup de gens ont, tu parlais de Chevènement, on pourrait parler de Finkielkraut avec l'identité, on pourrait aussi parler de Jacques Julliard avec le retour à la notion de nation et une certaine vision de la République. Est-ce que tu penses que c'était ça le terreau et qu'au fond, il est très dangereux pour la gauche de manier ces thèmes-là? Ce qui est un peu, si c'est ta réponse, c'est un peu embêtant parce que quand même, ils existent à gauche, la notion de nation, la notion de République, une certaine dimension identitaire mais ouverte existe dans l'histoire de la gauche, même si l'internationalisme à beaucoup d'égards assez dominant, en tout cas, disons dans les années 60-70. Mais est-ce que tu penses que c'est dangereux d'aller trop titiller ces thèmes-là? Alors, les terreaux sont multiples d'abord. Effectivement, il y a l'orientation vers la nation de personnes diversifiées, Chevènement, Julliard, Finkielkraut, etc., dans des versions à tendance identitariste, c'est-à-dire des fixations. C'est très étonnant, l'évolution par exemple de Julliard contre l'histoire mondiale de la France de Boucheron, parce que c'est un des livres qui est le plus mis en cause par beaucoup. Et c'est quand même l'idée qu'il y a une âme française, qu'il y a une essence française, qu'il y a une culture française homogène et qu'elle est menacée. Alors, par ce qui est appelé par tous, d'ailleurs, sans frontiérisme, mondialisme, etc., etc. Et donc, c'est là où il y a des interférences entre des thèmes de droite, de gauche, d'extrême droite, etc. Bon. Donc, il y a des fixations identitaires. C'est pas simplement qu'on reconnaît qu'il y ait des composantes identitaires dans ce qu'on appelle nation, mais il y a une fixation sur l'idée que le territoire français et les personnes qui la composent se définissent principalement par un fil identitaire homogène et clos. Bon, c'est ça l'identitarisme. Mais on a eu des tentations du même type, qui ont peut-être été moins vues, mais que j'ai bien vues dans la gauche radicale, au moment de la crise grecque en 2008, il y a eu un tournant nationaliste dans la gauche radicale, avec des gens comme Lordon. Et Lordon, dans ses livres, défend l'idée de l'appartenance comme l'élément clé de la définition des êtres, et comme en privilégiant l'appartenance nationale dans une vision qui est très proche de l'enracinement d'un Maurice Barrès. Et d'ailleurs, je commence mon livre par me demander comment c'est possible qu'il y ait tant d'interférences entre Julliard, Mathieu Bock-Côté, le théoricien ultra-conservateur québécois qui a de plus en plus, disons, de succès à droite et à l'extrême droite en France, et puis Lordon. Et comment on trouve en fait des choses très communes dans leur lexique, dans la façon d'envisager les choses, dans leur fixation. Bon. Donc ça touche des secteurs assez diversifiés, pas simplement qui viennent de la gauche plus modérée, mais aussi qui viennent de la gauche radicale. Le problème, c'est pas de toucher les thèmes de l'identité, c'est cette idée de fermer l'identité. Donc, je pense qu'il y a une autre vision de pour penser l'identité, que j'appelle l'émancipation, et la question de l'émancipation doit se ressaisir de la question de l'identité, mais sous deux modalités, pour moi, c'est des deux
penseur important pour l'instant là-dessus. Du côté d'Emmanuel Lévinas, c'est définir l'identité comme ouverture et non pas comme fermeture. Et donc, comme ouverture à des choses qui ne sont pas le même, donc l'identité. Et puis, la question de l'hybridation ou la créolisation, hein, pour aller du côté d'Edouard Glissant. Donc, on doit se ressaisir des thèmes de l'identité, mais ce qui me pose problème, c'est la fixation identitariste, c'est-à-dire le fait de définir les individus et le groupe autour d'un fil identitaire fermé, homogène, avec des identités fermées positives et des identités fermées négatives. D'accord. Voilà. Entendu. Et les polémiques, par exemple, sur antisémitisme et islamophobie sont des moments de fixation identitaire de ce type, hein, très, très fortement. Qui ne sont pas vus comme, nécessairement comme tels. Bon. D'accord, merci. Valérie, Laurent, je vous ai prévenu, je vais vous retrouver dans un taxi, mais je ne peux plus vraiment animer. Je vous suis, en tout cas. Je laisse quelqu'un d'autre à ma place peut-être distribuer la parole. OK, Valérie ? Oui, pas de souci. Je suis désolée, mais je vous écoute, mais je peux plus trop être opérationnelle. Voilà. Merci Géraldine, en tout cas. Pour l'introduction. Qui veut poser la prochaine question ? Je ne sais pas si vous pouvez lever la main. Là, comme il n'y a pas trop de demandes. Ben, moi, je veux bien. Ouais. Ah, voilà. Ben, Laurent, bon, non, vas-y, c'est bon. Okay. Oui, Philippe, dans quelle mesure vous avez emprunté à Gramsci des méthodes d'analyse pour voir comment justement il y a une nouvelle hégémonie culturelle qui s'est recréée autour de cette notion d'identité et de domination des concepts identitaires dans le débat public. Est-ce qu'il y a des analogies? Et deuxièmement, vous disiez qu'il fallait refonder peut-être la conception qu'on pouvait avoir de l'identité. Moi, je pense au bouquin de Raoul Girardet sur les droites en France et sur le nationalisme français, qui expliquait qu'au départ, l'idée de nation était une idée très de gauche, hein, après la Révolution française, et qu'il y avait un messianisme universaliste qui ensuite a dérivé après la défaite de 1870, où l'idée de nationalisme est devenue une idée de droite revancharde, mais qu'au départ, c'était, voilà, il y avait une conception de la nation qui était une conception très forte, mais qui était très ouverte et universaliste. Merci. Sur, en fait, mon appui, c'est plutôt Foucault, j'ai dit, formation discursive. Pourquoi ? Parce que ce sont des espaces de discours et d'idées qui sont alimentés par différents locuteurs qui n'ont pas forcément conscience de ce qui se passe et qui sont souvent opposés entre eux, mais qui vont en fait solidifier des cohérences partielles dans un espace de discours. Je suis plus dubitatif sur Gramsci. Pourquoi ? Pas forcément sur l'idée d'hégémonie, mais je suis en fait un des intellectuels critiques les plus critiques à l'égard de la notion d'hégémonie culturelle. Parce que cette notion d'hégémonie culturelle, elle suppose qu'il y a une domination d'idées dans l'ensemble de la société. Et moi, les formations discursives ultra-conservatrices, confusionnistes et identitaristes, c'est dans les espaces publics. Je pense que la société est plus composite et contradictoire, qu'elle n'est pas forcément affectée, elle est plus mobile, elle n'est pas forcément affectée de la même façon, et que les personnes ordinaires ne partagent pas nécessairement de manière aussi stabilisée. C'est ce qui se stabilise, c'est dans les espaces publics, dans les médias, chez les professionnels de la politique, sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, c'est là où se coagulent ces formations idéologiques qui marquent, hein, ce qui est le plus visible. Mais par exemple, je prends l'exemple des manifestations « Je suis Charlie » et des travaux qui avaient été faits après, je pense au travail de Nona Meyer sur l'enquête sur les manifestations, qui montrait une des plus grosses manifestations de l'existence des manifestations en France. Hein, ce n'est pas les Gilets jaunes à 300 et quelques mille, c'est plus de 4 millions de personnes. Bon. Et
beaucoup de thèmes pluriculturels, à la fois la défense de la liberté d'expression et des thèmes pluriculturels. Je suis Charlie, je suis musulman, je suis juif, etc. Mais en fait, aucune force politique ne vient porter ça. Et un an après, qu'est-ce que deviennent ces manifestations ? Il y a organisé par le Printemps républicain quelque chose qui va en faire quelque chose d'identitariste. Mais il n'y a pas eu d'offre politique pour traduire, disons, dans l'espace politique, quelque chose qui existe dans la société. Hein. Et donc, il y a bien, pour moi, un problème de ce qui se passe dans les espaces publics. Sur Gramsci, je suis en train de finir un texte où j'essaye de dégommer Gramsci grâce, dit comme ça, ça peut paraître étrange, grâce à France Gall. Pourquoi ? Parce que je fais une analyse des années 80 et des travaux qui ont dit qu'il y avait hégémonie du néolibéralisme dans les années 80. Et je montre que sur les tubes des années 80, comment ces tubes sont en décalage avec les thèmes néolibéraux. Goldman, etc., etc. Et donc, je montre que cette idée que une société est marquée par une domination des idées, c'est aussi le thème de l'idéologie dominante dans le marxisme, est une vision erronée. Il y a des idéologies dominantes parmi les élites, hein, dans les espaces publics, etc. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une idéologie dominante, disons, dans une société. Ça rend beaucoup plus optimiste, parce que ça laisse un espace. Mais, bizarrement, les hommes politiques, les professionnels de la politique, les journalistes, etc., aujourd'hui, c'est une des notions qui a le plus de succès, hégémonie culturelle, parce qu'elle donne l'impression qu'on peut saisir le tout avec simplement quelques batailles d'idées. Hein. On prend l'exemple de Sarkozy, etc., et puis on tient l'ensemble, bon, et on tient rien du tout, à mon avis. Hein. Mais évidemment, ça donne l'impression qu'on peut tenir les choses ensemble. Bon. Donc, il faut aller du côté du caractère beaucoup plus composite idéologiquement d'une société, et pour la gauche, en fait, il y a beaucoup plus de potentialité dans la société. Le problème, c'est que la gauche est en train de se tuer parce qu'elle est fixée sur ce qui se passe dans les espaces publics et elle est aimantée par ça. Ça, c'est pour la question, de Gramsci. Pour la question de la nation, je défends précisément l'idée qu'il ne faut pas abandonner la nation dans le livre, qu'il y a des usages très différents de la nation. Et donc, pour moi, ce n'est pas le mot « nation » qui pose problème, ce n'est même pas le mot « identité nationale », c'est la fixation identitariste, la façon de concevoir la nation. Et le fait que, peu à peu, tout le monde abandonne l'ouverture internationale. Il y a eu à un moment donné l'Europe, hein, qui est de plus en plus décrédibilisée ou délégitimée, mais l'ouverture internationale est abandonnée. C'est, pour moi, c'est aussi la dévalorisation du monde et de l'Europe qui pose problème, avec la valorisation de la nation comme seul pôle. Et je prends un exemple lié à mon parcours au sein du CERES. En 1976, le CERES fait un colloque qui s'appelle le compromis géographique. Je reviens sur ce colloque dans le livre, où on explique qu'il faut défendre l'indépendance nationale, donc il y a bien l'indépendance nationale, mais qu'on ne peut pas réaliser le socialisme dans un seul pays, et que donc il faut développer toute une série de pensées de coopération internationale pour construire avec deux pôles, le pôle de l'indépendance nationale et cette ouverture internationale. Aujourd'hui, presque tout le monde a enlevé le pôle de l'ouverture internationale. J'ai compté sur le programme, par exemple, l'avenir en commun de la France insoumise. Il y a deux pages sur l'international, sur l'ensemble. C'est-à-dire, ça fait même pas 10% du programme. Et par contre, il y a beaucoup de choses sur le protectionnisme, etc., etc. Donc, c'est ce mouvement dans l'espace public de signification où la nation, c'est bien, le monde et l'Europe, c'est mal. C'est ça qui m'intéresse, hein, c'est cette fixation idéologique. Hein. Mais c'est pas le fait d'utiliser la nation, hein, parce qu'il y a des usages très divers. Je prends l'exemple aussi des zapatistes au Mexique, en montrant comment ils cumulent l'identité du Chiapas, ils revendiquent le drapeau mexicain, dans toutes leurs organisations, il y a le drapeau mexicain, donc il y a l'identité nationale mexicaine, et puis il y a l'ouverture internationale. Bon. Et c'est associé. Bon. Et là, ça manque dans cette fixation identitariste sur la nation en France. Merci. Je donne la parole à Delphine Alluc, qui a une question, double question même à poser.
à vous poser. Delphine, vous pouvez mettre votre micro. Oui, excusez-moi, je ne retrouvais pas le micro. Oui, en fait, ça me touche beaucoup. Je ne sais pas si je vais réussir à poser clairement ma question, mais en vous écoutant, je ressens quelque chose de l'ordre de la tragédie, ce qui est tragique dans la gauche, en vous écoutant et par un retour sur ma propre expérience relativement récente, c'est que finalement, être de gauche, peu importe à quelle classe sociale on appartient, c'est faire le pari de la nuance, de la mise en tension, de la difficulté, parce que ce pourquoi nous nous battons, ce n'est pas si simple, en fait, ce n'est pas si simple. Et quand vous dites, il y a quelque chose de problématique en ce moment, je ne sais pas si je comprends ce que vous dites, avec la gauche, c'est qu'elle elle est prise dans ce jeu des fixations au sein de l'espace public et médiatique, eh bien, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il me semble que les gauches, la gauche, ont, pour pouvoir gagner, regagner, ou peut-être dans un moment de panique historique depuis 20 ans, par défaut aussi de projet de pensée, de réflexion collective sur sa propre histoire et ses propres principes, eh bien, elle s'est prise dans le jeu de la simplification et de l'accrochage à des thèmes marketing. Alors, j'avais deux questions. Comment la gauche laïque, universaliste, démocratique, je ne veux pas dire républicaine, parce que ça ne crée que des malentendus et on est immédiatement attaqué quand on prononce le mot républicain et qu'on se dit de gauche. Comment cette gauche-là, je ne la qualifierai pas plus, peut-elle entrer dans une logique critique face au communautarisme et sans être accusée de confusionnisme? Ça, c'est vraiment une question. C'est-à-dire que moi, j'ai été très, très choquée d'entendre des copains m'expliquer qu'Elisabeth Badinter était d'extrême droite parce qu'elle avait dit des conneries à certains moments ou qu'elle avait été trop vite ou qu'elle avait participé au printemps républicain. Je suis profondément choquée par cette accusation, même si Elisabeth Badinter, à certains moments, a pu dire des choses qui étaient problématiques. Je suis choquée que tout son parcours, toute sa pensée, tous ses propos, y compris dans l'année actuelle, soient ramenés au pas divergent. Et il y a quelque chose d'extrêmement autoritaire à vouloir catégoriser les uns et les autres. Et je trouve qu'on a perdu en nuance dans le débat à gauche depuis 2 ans. Et au résultat, plus personne, en tout cas les gens de la nuance, les gens qui cherchent à travailler la tension entre les concepts, et c'est pour ça que moi j'ai rejoint Laurent, qui ose remettre des sujets qui sont devenus tabous à gauche sur la table calmement, eh bien c'est très difficile, c'est très difficile. Donc comment faire ça? Et puis le deuxième point, je réagis sur la petite aparté sur antisémitisme versus islamophobie. De temps en temps, je me dis, mais je pourrais être accusée de théorie du complot. Il y a quand même des sujets qui arrivent dans le débat, des pseudo-polarisations et combats qui arrivent dans le débat public via les réseaux sociaux de manière très précise. On se dit, tiens, il y a quelqu'un qui a un projet marketing, politique, qui fonctionne par les modalités numériques, qui arrive pile au bon moment avec les bonnes images, les bons événements et qui relance la machine, et qui relance la machine qui nous auto-détruit. Et enfin, est-ce que quand même, vous ne pensez pas que le plus urgent, c'est que la gauche se pose sur son histoire et qu'elle analyse sa relation parfaitement ambiguë précisément à l'antisémitisme et au racisme, à la xénophobie, parce que sous couvert d'internationalisme, et ce qui est très bien d'ailleurs, parce que oui, on est internationaliste, on a été conduit parfois à avoir des attitudes de grand mépris ou de grande condescendance et à tout confondre. Et quand en matière d'antisémitisme, c'est pas la grande condescendance, hein, c'est ce dogme des dominants et des dominés permanents qui fait qu'on peut dire tout et n'importe quoi sans souci anthropologique. Bien, il y a beaucoup de problèmes. Je pense, oui, que la dimension tragicomique de la gauche aujourd'hui, c'est une dimension d'autodestruction. Et quand j'ai pris 3 exemples, les 3 événements, c'est 3 secteurs de la gauche qui s'autodétruisent.
de manière, disons, différente. Donc, c'est différents secteurs de la gauche qui s'autodétruisent. Alors qu'il y a des ressources, disons, dans la société pour aller dans d'autres directions. Et donc, c'est ça qui fait la dimension tragicomique. Alors, la troisième partie du livre examine ces polarisations autour de laïcité, autour de islamisme, autour de islamophobie, antisémitisme. La polarité islamophobie, antisémitisme n'est pas nouvelle. Elle a commencé à percuter le mouvement antiraciste après le consensus autour de la lutte contre l'extrême droite, consensus dont une des dernières formes, disons, a été les manifestations, sans doute, après ce qui s'est passé au cimetière de Carpentras. À l'époque, j'étais chroniqueur à Charlie Hebdo. En 2002, je fais une chronique mettant en évidence le risque d'une division du mouvement antiraciste sur cette question, et puis avec une leader d'un syndicat étudiant de Sud étudiant à l'époque, j'ai créé une tribune dans Le Monde en 2003 qui montre cette polarisation qui risque de diviser le mouvement antiraciste, qui s'appelle, cette tribune s'appelait « Nous sommes tous des juifs musulmans ». Donc c'est assez ancien cette polarité. En 2002-2003, la polarité touche le mouvement antiraciste seulement. Et va opposer la LICRA, SOS Racisme, le MRAP, la Ligue des droits de l'homme, etc. Bon. Et après, ça va s'étendre à l'ensemble de l'espace politique, cette polarisation. Hein. Ce n'est pas quelque chose de relatif, ce n'est pas nouveau complètement. Hein. Ça s'est d'une certaine façon installé. Et ça a créé des formes, évidemment, de manichéisme des deux côtés. Ceux qui considère que la lutte contre l'islamophobie est principale, minore la question de l'antisémitisme, c'est très net dans la gauche radicale. C'est pour ça qu'avec certains amis, on a récemment créé un nouveau mouvement assez dynamique depuis un an qui s'appelle le RAR, hein, le réseau de lutte contre l'antisémitisme et tous les racismes, qui a récemment fait une manifestation sur l'antisémitisme à cause des manifestations anti-pass, qui avait fait... récemment aussi célébré l'insurrection du ghetto de Varsovie, qui a organisé avant une commémoration autour du meurtre d'Ilan Halimi, etc. Et c'est une association qui est principalement composée de gens de la gauche radicale, mais qui ont voulu réagir à la minoration de la question de l'antisémitisme au sein de la gauche radicale. Bon. Mais avec un objectif qui est de lier aussi aux luttes contre l'islamophobie, contre la négrophobie, etc. Okay. Donc, une attitude nouvelle dans le mouvement antiraciste, avec le RAR. Bon. Donc, il y a minoration de l'antisémitisme ou il y a complaisance. J'analyse tout ça dans le livre, complaisance à l'égard de propos pour le moins ambigus. On peut analyser les débats, c'est avec les frontières de l'antisémitisme autour des indigènes de la République et des textes d'Ouria Boutelja. Il y a quand même, on a connu, dans les années 2010, trois pétitions de soutien à Ouria Boutelja parues dans la presse. Trois. Soignées par des intellectuels renommés de la gauche radicale, plus des personnalités syndicales et associatives. Trois. Et après la publication de son livre, où les choses se sont un peu aggravées dans sa façon de voir les choses. Et puis de l'autre côté, on a soit une minoration de la question de la stigmatisation des musulmans, soit des discussions sémantiques pour savoir si c'est islamophobie, c'est le bon mot. Alors, je suis d'accord, c'est pas forcément le bon mot. Mais c'est le mot qui s'est imposé dans ce secteur de la lutte antiraciste. Et souvent, les gens qui vont refuser le mot refusent les faits. C'est-à-dire, refusent de prendre en considération qu'il y a une diabolisation dans l'espace public des musulmans et qu'il y a des faits anti-musulmans. C'était très différent de mon ami Charb, hein, parce que lui, dans son bouquin, il dit qu'il n'aime pas islamophobie, il préférait musulmanophobie,
mais il reconnaît les faits anti-musulmans. Mais il y a, et c'est le cas du printemps républicain, etc., il y a au contraire une sorte de négation du problème, bon, hein, parallèle. Et puis, il y a des secteurs même qui vont vers des formes d'islamophobie soft, c'est-à-dire, par exemple, le fait d'assimiler le port du voile à une pratique nécessairement islamo-conservatrice. Ce qui, dans les enquêtes de sciences sociales, est faux, mais qui est une assimilation que moi, j'ai considérée comme islamophobe. Hein. Ce n'est pas une pratique large, c'est une des pratiques. Donc, on a ce type de polarisation avec des impensés symétriques, une dynamique très forte avec ses traits affectifs hein, dans cette construction. Et finalement, on oublie ce qui me semble important, c'est la critique de l'identitarisme. Parce que des deux côtés, il y a l'identitarisme, c'est-à-dire des fixations identitaires. Et c'est pour ça que je préfère le mot identitarisme à communautarisme. Bon. Communautarisme, c'est généraliser de manière assez floue dans l'espace public et en général dans le vocabulaire plutôt conservateur et pour stigmatiser en général soit les musulmans, soit les homosexuels. C'est les deux communautarismes qui sont souvent mis sur la sellette. Bon. Il me semble que identitarisme, c'est plus précis hein, comme concept. Et que si on défend identitarisme, c'est au nom de quoi? Est-ce que c'est l'universalisme? Moi, je ne me définis pas comme universaliste. Hein, parce que être universaliste, ça suppose de savoir ce que c'est que l'universel. Moi, je défends l'universalisable. C'est-à-dire qu'il y a un horizon possible d'universalisable qui passe par un dialogue interculturel. Et donc, je combats à la fois ceux qui prétendent définir l'universel à partir de l'hexagone et ceux qui déconstruisent l'universel en mettant en cause. Et je défends une autre vision de l'universalisable. Notre universalisable, c'est quoi? Qui fait partie de l'histoire de la gauche. C'est que les individus ne se définissent pas seulement par une seule appartenance, mais qu'ils ont une singularité. Leur singularité, elle est que chacun de nous est composé par différentes appartenances collectives qui sont emmêlées et qui vont faire notre unicité. Là, il y a un point d'appui extrêmement fort pour la gauche qui permet de critiquer tous les identitarismes au nom d'un universalisable qui est la reconnaissance de la singularité personnelle bon, et qui fait partie du patrimoine de la gauche. Même chose, je défends la laïcité, comme je l'ai dit dans mon topo, avec l'idée que la laïcité, ça permet une cohabitation dans un espace commun d'une série de croyances et d'incroyances. Et cette laïcité, pour moi, elle permettrait tout aussi bien le port du voile islamique dans les rues, elle permettrait aussi des prières de rue et elle permettrait le blasphème public. C'est ça que permet la laïcité. Je dis les prières de rue parce que dans la loi de 1905, sont réglementées les processions religieuses dans l'espace public. Hein. Donc c'est inclus dans la loi de 1905, les processions religieuses. Hein. C'est un des plus longs articles avec un accord qui doit se faire entre le curé et le maire. S'il n'y a pas d'accord entre le curé et le maire, ça passe par le préfet. C'est la même chose pour les sonneries de cloche. Il y a un accord, etc., qui se fait. Donc la religion, elle est dans l'espace public. Mais il y a un espace, la possibilité d'expression des croyances et des incroyances dans l'espace public. C'est ça la grande force et qui fait la grande actualité de la loi 1905, qui s'est combinée de manière circonstancielle, mais qui finalement a sédimenté justement quelque chose d'universalisable, bien que produit dans une bataille circonstancielle à l'époque. Voilà ce que je dirais. Sur Elisabeth Badinter, mon problème n'est pas de mettre en cause des personnes. C'est-à-dire, par exemple, Elisabeth Badinter est dans mon livre, comme Frédéric Lordon, comme Jean-Luc Mélenchon, comme des intellectuels de la gauche radicale, ou Emmanuel Macron, etc. C'est-à-dire, il y a des locuteurs, à un moment donné, qui participent à une formation discursive. Parfois, c'est ponctuel, simplement. Dans le cas d'Elisabeth Badinter, ce qui est très net, c'est que c'est elle qui ouvre les vannes sur l'extrême droite. Alors, quand elle fait sa déclaration, que je reprends dans le livre, sur le fait que le Front National est la seule organisation qui défend la laïcité.
C'est l'une des premières. Et puis après, il va y en avoir plein d'autres qui vont s'engouffrer dans cet élément de casser la frontière symbolique avec l'extrême droite. Elle le fait pour des raisons propres, pas de manière réfléchie, etc. Une formation discursive, c'est pas des gens qui ont nécessairement des intentions méchantes et qui, c'est peu à peu des gens qui vont participer à la stabilisation de formes d'évidence qui, après, toutes ces évidences vont nous étouffer. Cette participation peut être ponctuelle, elle peut être répétée. Hein. À un moment donné, quand je écrivais le livre, parce que j'ai mis 3 ans et demi à l'écrire, la participation de Michel Onfray était ponctuelle. Et puis, c'est devenu un des plus gros producteurs. Bon. Donc, il y a des moments. Il y a des gens qui, dans mon livre, n'interviennent qu'une fois, parce qu'ils ont stabilisé, ils ont participé à stabiliser une évidence, etc. Bon. Donc, mon problème n'est vraiment pas de mettre en cause les personnes, c'est de mettre en évidence que des mécanismes idéologiques, rhétoriques, impersonnels saisissent l'espace public et pourraient nous occuper tous sans qu'on en ait conscience. Et donc, c'est plutôt pour libérer les différentes personnes de cette contrainte, pour qu'ils voient le problème et dans une sorte d'éthique de la responsabilité, comme disait Max Weber, hein, pour mieux savoir que quand on lance des paroles, des mots, etc., dans quel contexte ça retombe et quel sens ce contexte va contribuer à leur donner, qui n'est pas forcément l'intention qu'on a quand on dit telle parole ou tel mot ou telle phrase. Voilà. Merci. Je reprends la parole. Alors, il y a Mariella qui voulait poser une question, mais elle vient de quitter le call, donc on y reviendra éventuellement à la fin. Il y avait Laurent qui voulait poser une question, Laurent Geoffrin, et Jean-Maxence. Donc, Laurent, si tu veux poser ta question, et puis on passe la parole après à Jean-Maxence. Quand on vous écoute, parce que vous avez un discours qui est à la fois théorique, mais avec des exemples concrets, avec des épisodes qui se sont déroulés et qu'on connaît tous parce qu'on les a vécus dans les années qui viennent de s'écouler, du coup, on se dit, mais est-ce que nous-mêmes, on se fait un examen de conscience. On se dit, mais peut-être que même sans penser à mal, on a participé à certains moments de ce confusionnisme, on le fait aujourd'hui. Donc, cette réflexion me conduit à poser deux questions, soulever deux problèmes. L'extrême droite fait campagne sur l'identité, sur l'immigration et l'identité qui sont reliés dans leur esprit, et sur l'insécurité, sur la sécurité, sur le sécuritaire. On a réfléchi à ces deux questions et on a essayé de trouver des réponses qui sont, comme vous l'avez dit, nuancées, parfois même contradictoires, parce qu'on n'est pas sûr de tous les... on n'est pas pétri de certitudes. Mais on pense qu'il faut une politique d'immigration claire qui repose sur l'accueil d'abord, mais aussi sur la régulation. Et puis, en matière de sécurité, on pense qu'il faut une politique de sécurité, que c'est un facteur d'inégalité terrible en France et que les gens qui habitent dans les quartiers populaires en sont les premières victimes et qu'il faut bien, d'abord en soi, il faut combattre la délinquance, le crime, et deuxièmement, il faut se porter finalement côté au secours des gens qui en sont les victimes. Alors, est-ce que en disant des choses de ce genre, en disant la gauche doit affronter ces questions-là sans embâge, est-ce qu'on participe d'une forme de confusionnisme ou est-ce que on a raison de faire ça? Alors, je vais donner un exemple. J'ai pas de réponse sur toutes les questions, mais sur cette question de comment on y participe? Moi, je me suis posé la question, évidemment, parce que j'ai une relation amicale. Chevènement a été mon leader. J'étais très proche de Didier Mochan. J'étais un ami de Jean-Claude Michéa, qui est un des personnages le plus confusionniste dans le livre. J'étais un ami de Michel Onfray, qui est un des personnages les plus confusionnistes dans le livre. Donc, je me pose des questions, hein, parce que donc tout ça, ça fait partie de moi aussi. C'est d'ailleurs votre cas dans le livre. Vous êtes mis en avant de manière critique à un moment donné et positif à un autre. Le critique, c'est quand vous faites l'éditorial sur Guy Lui et les fractures françaises dans l'idée. Mm-hmm. Parce que Guy Lui, alors il y a des longs passages, c'est un des producteurs confusionnistes les plus importants. Donc, on peut montrer fractures françaises et la France périphérique. Bon. Et par contre, positif, vous êtes un des premiers, je le dis contrairement à moi qui met du temps à réagir, vous êtes un des premiers à saisir
Le problème du confusionnisme de Michel Onfray. Donc, je le dis dans le livre aussi. Bon, comme résistance au confusionnisme aussi. Le problème, c'est bien que c'est un problème, c'est pas un problème de personne, c'est la façon dont on peut être aimanté à un moment donné sans contrôler complètement ce qu'on fait sur le moment et qu'on contribue à stabiliser ou pas, ou à résister à des éléments. Donc, c'est cette question. Alors, sur l'insécurité, je l'ai dit des choses sur l'identité, comment on pouvait l'aborder. C'est pas ne pas aborder l'identité, ce n'est pas ne pas aborder la nation, mais c'est la façon de... Sur l'insécurité, j'ai pas travaillé complètement sur la question. C'est vrai que le lien immigration-insécurité, le lien insécurité-identité est fort. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est la dynamique sécuritaire. C'est-à-dire que c'est cette dynamique sans fin de surenchère sur ces questions qui très vite saisit les débats. Et donc, le problème, c'est comment on freine, comment on prend en compte la sécurité sans être entraîné dans cette surenchère sécuritaire ou avec l'idée, etc. C'est souvent simplement des discours. Hein. Maintenant, on sait à peu près, avec les données dont on dispose, que un des moments très sécuritaires dans les discours, ça a été Sarkozy, et c'était le moment où finalement on a enlevé le plus de moyens à la police. Bon, alors évidemment, et c'était en même temps. Hein. C'était en même temps. Bon. Donc, évidemment, c'est surtout les discours aussi, parce que les pratiques, c'est autre chose dans les politiques publiques. Mais il y a une dynamique discursive dans les discours. Donc, je pense évidemment que la question de la sécurité ne va pas être abandonnée, mais le problème, c'est comment ne pas être entraîné dans la surenchère identitaire. Ne pas être entraîné aussi sur cette évidence qu'il y a de plus en plus d'insécurité. Hein. Et il faut tenir compte du sentiment d'insécurité, parce qu'il est normal dans une société émancipée que les personnes puissent se déplacer librement. Ça fait partie d'un acquis, disons, du libéralisme politique même, et donc de l'émancipation, et donc de la gauche. Et donc, le sentiment d'insécurité doit être combattu, et tout ce qui gêne la libre circulation des personnes dans la cité doit être combattue. Donc la question de la sécurité doit pouvoir être prise en compte. Mais comment le faire sans mettre le doigt dans la surenchère, disons, sécuritaire, et comment le faire sans que ça soit nécessairement lié à immigration, islam, etc. C'est ça la grande difficulté. Bon, mon propos n'est pas d'homme politique, mais par exemple, je suis en train de le traiter. En ce moment, on m'a demandé suite à la sortie de mon livre, ça n'a pas un rapport direct, mais un producteur de cinéma m'a demandé de réécrire le scénario d'un film de polar. Bon, un polar. Donc, je suis en train de réécrire et je me pose ces questions. Je pose ces questions parce que c'est dans une banlieue avec la police, donc il y a la question de la sécurité. Et j'essaye de voir dans le scénario comment on peut combiner les choses qui permettent de penser la sécurité sans identitariser la sécurité et sans le délire sécuritaire. Bon. Enfin, évidemment, ma réponse, elle est parce que je fais un produit, disons, culturel, où je peux mettre en place une autre façon de voir les choses. Hein. Ce n'est pas un programme politique. Mais on manque beaucoup, comment dire, on manque beaucoup de formes culturelles qui portent des problématisations autres des questions. Hein. Parce que les programmes politiques, c'est bien, mais on manque d'un intérêt pour, justement, je parlais des années 80, la chanson, les séries télévisées, le cinéma, etc. C'est ça aussi qui va nous permettre, disons, de tisser une toile d'évidence différente dans l'espace public, en termes d'idées, de discours, etc. Et donc, ces formes culturelles, à mon avis, les formes culturelles les plus populaires ou les plus ordinaires, c'est un enjeu, à mon avis, central. C'est pour ça que je travaille de plus en plus sur les séries télévisées. Bon. Et donc là, je vois que je suis affronté à ça et je vois comment on peut dissocier, on peut montrer la complication des choses, etc. Bon. Mais au fait que les spectateurs vont s'accrocher à un personnage, vont adhérer à certains éléments de familiarité avec un personnage, etc. Et ça va permettre de problématiser autrement les choses. C'est plus compliqué pour un programme, un discours directement politique avec des éléments. Hein. Mais
Moi, pour l'instant, sur cette question, je ne vois principalement que comment dissocier avec identitarisme et comment ne pas être nécessairement entraîné dans la surenchère identitaire, des meurtres partout, etc., etc., des policiers partout. Donc, sans déserter la question. Bon, et voilà, ça, là, il y a une difficulté pour le discours politique, mais je pense qu'il y a un enjeu pour les formes culturelles. Je pense qu'un film comme Bac Nord fait beaucoup de mal dans ce sens-là, parce que là, c'est dans l'imaginaire qu'elle traite, qu'elle porte la forme sécuritaire, hein, et qu'il faudrait le porter autrement. Et la forme sécuritaire, elle va être associée aux formes identitaristes, aux migrants, à l'islam, etc. Et tout ça, ça va être associé. Et donc, ce film, il fait beaucoup plus de mal, finalement, et son succès. Et donc, mon idée, c'est de faire un anti-Bac Nord avec l'autre film. Hein. Bon, mais toujours avec un polar du même type. Hein. Bon. Là, il y a un enjeu dans les formes culturelles, hein, qui est très important, parce que c'est plus que les discours que Xavier Bertrand, Bac Nord, c'est beaucoup plus fort, hein, comme pour la physique, avoir ces éléments. Bon. Merci. On passe à la question de Jean-Maxence. Oui, bonjour à tous. Je voulais vous remercier pour ce livre parce qu'il est, il fonctionne un peu comme une cartographie ou comme une généalogie. Il est très fourni. Il est minutieux aussi. Et... C'est le jour où il y a le truc de... Non, c'est mardi. Vous m'entendez ? Oui. Et parce qu'il s'éloigne un peu de l'essayisme, effectivement, et qu'il est sourcé, et donc il est précieux comme un dans ces débats. Mais je voulais, un peu comme Laurent Geoffrin, dans le monde intellectuel, je voulais parler de ces difficultés et peut-être de cette autocritique qu'on peut se faire à soi-même comme simple citoyen. Moi, il se trouve que j'ai par exemple participé à la manifestation pour Mireille Knoll et je me suis retrouvé à manifester, bon, et pourquoi pas à côté de Finkielkraut ou, disons, de Marine Le Pen ou de la LDJ. Et puis, j'ai aussi participé à la manifestation après Bayonne, ce qui est, après coup, apparaît comme quasi infamant maintenant. Et c'est vrai que quand j'ai regardé ensuite, j'avais pas vu dans le cortège, c'est la question du croissant jaune ou de l'étoile jaune, et que je remets en cause évidemment. Et mais sur le moment, ça m'est paru être quelque chose à faire puisqu'on avait tiré sur des gens qui se rendaient à la mosquée. Et dans le même esprit, et derrière cette double expérience qui pour moi relevait du même faisceau de conviction, il y a le problème de qui a été soulevé par d'autres de l'agir ensemble, parce que dans une manifestation, forcément, il y a une sorte de confusion intrinsèque, c'est-à-dire qu'on est avec des gens qui ne sont pas totalement comme soi, et pourtant on défend quelque chose. Alors peut-être est-ce que j'ai pas fait assez attention à qui invitait, aux invitations, mais sur le moment ça me paraissait normal de réagir à ces tirs de pistolet sur des gens qui allaient à la mosquée. Comment résoudre, je dirais, dans les actes, dans la citoyenneté, j'ai pris cet exemple de la manifestation, un agir ensemble. Alors que pour arriver à rentrer dans le détail et à faire la part des choses, vous avez eu besoin, et je vous en remercie, de 650 pages. Voilà ma question. Oui, je pense que on est dans le climat polarisé où on va avoir dans des manifestations contre l'antisémitisme, on peut avoir des forces d'extrême droite ou des composantes, disons, de stigmatisation des musulmans en général, et qu'on peut avoir dans des manifestations contre l'islamophobie des composantes antisémites plus ou moins larvées. Bon, moi, je pense que si on porte l'idée qu'il faut rompre ces manichéismes, qu'il faut lutter contre toutes les formes de racisme, et contre les différentes formes d'identitarisme. Bien sûr, il ne faut pas participer à n'importe quelle manifestation, il faut savoir qui appelle, etc. Mais dans un événement
comme le cas de Mary Cole, où les rassemblements qui avaient eu lieu suite à l'agression de Fulton Crowe, et bien sûr, il faut y aller. Il faut y aller. Moi, j'habite Nîmes. Je travaille à Lyon, mais j'habite Nîmes. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que j'étais le seul membre de la gauche radicale du rassemblement à Nîmes après Fulton Crowe. Hein. Donc, c'était appelé par la LICRA locale. Il y avait des gens du PS que je connaissais, il y avait la droite locale, etc., etc. Mais j'étais le seul membre de la gauche radicale. Bon. Et donc, et inversement, dans les manifestations contre l'islamophobie, il y a des gens qu'on va pas trouver. Bon. Moi, je suis plutôt pour être dans les deux. C'est pour ça qu'on a fait le RAR, hein, le réseau contre l'antisémitisme. C'est pour, un, combattre d'abord cette minoration de l'antisémitisme à gauche et particulièrement dans la gauche radicale. Deux, faire converger les luttes contre l'antisémitisme avec la spécificité, en disant pas que c'est pas la même chose, l'antisémitisme et l'islamophobie, et avec la lutte contre l'islamophobie, la négrophobie, etc. Bon, pour retisser des liens. Et donc, ça veut dire qu'avec notre banderole rare, on va pouvoir participer à des manifestations contre l'islamophobie et on va nous-mêmes initier des manifestations contre l'antisémitisme comme on a fait la semaine dernière. Bon. Donc, je pense que dans le climat de polarisation, où on ne va pas complètement changer la donne, où on sait que les gens sont polarisés, où on sait que c'est très affectuel les choses, etc. Et donc, il faut qu'une série de personnes, de groupes, montrent que les deux sont possibles ensemble. C'est me semble l'élément important qui donne peu à peu de la crédibilité aux choses. Hein. Et je vois ça... Dans la gauche radicale, l'existence du RAR depuis un an a changé la donne. Dans la gauche radicale, ceux qui avaient une parole autorisée, à mon avis, faussement, c'était l'UJFP, l'Union des Juifs pour la Paix. Mais que fait l'UJFP depuis quelques années? Bon, il intervient à partir de personnes qui se reconnaissent comme ayant une identité juive sur le conflit israélo-palestinien, du côté palestinien, ça, c'est légitime. Mais sur le terrain de l'antisémitisme, le JFP fait rien et au contraire a servi sans arrêt de blanchiment aux ambiguïtés des indigènes de la République et de Boutelja. Et qu'est-ce qu'a fait l'existence du RAR? C'est que le JFP maintenant est assez marginalisé dans la gauche radicale et donc maintenant on a des liens structurels avec le syndicat solidaire, avec les différents partis, avec la CGT, etc. Et l'UJFP est mis de côté. Bon. Et donc, c'est d'une certaine façon une victoire. Ils ont tant mis de côté, c'est qu'ils viennent sur Mediapart de lancer un texte pour expliquer qu'il y a des... Sans nous citer, pour nous dire qu'il y a des méchants qui disent que la gauche, elle a minoré l'antisémitisme, c'est pas vrai, etc. C'est bon. Mais on voit. Et donc, finalement, ça a des effets, ce type de choses. Hein. Et on a créé ça à quelques dizaines de personnes. Hein. Bon... donc c'est pas si compliqué et déjà on occupe un espace. Bon, donc là il y a quelque chose, il me semble, de possible. Hein. Il faut tenir compte de l'état où on en est, de forte polarisation, et essayer de créer une crédibilité contre cette polarisation. Merci. Il est 54. Je propose une dernière question. Si quelqu'un a envie de poser une dernière question à notre invité. Je vois pas de main levée. Maurice, très bien, allumez votre le son. Oui. C'est une question relativement courte. Parce qu'il reste... J'ai bien compris qu'une formation discursive, ça ne se décrète pas, ça ne s'organise pas, c'est une orchestration, une orchestration sans chef d'orchestre. Alors, ma question est un peu générale, mais comment vous... Comment qualifieriez-vous la formation discursive dont vous jetez un peu les bases, notamment par exemple en posant des principes comme le refus du manichéisme à gauche, voilà. Oui. Moi, en fait, je mise beaucoup sur la notion d'émancipation. Alors, cette notion d'émancipation, elle émerge en fait, je l'en parle dans le livre parce que je refais un retour historique, c'est-à-dire
que dans les dérèglements actuels, il y a un pilier intellectuel de la gauche qui est en train de se défaire. C'était le lien entre critique sociale et émancipation. C'est-à-dire que quand on critiquait des inégalités ou des dominations, c'était au nom d'une émancipation individuelle et collective. Ce lien est en train de se défaire pour différentes raisons que j'analyse dans le livre, dans la société, comme dans le milieu universitaire, à cause de la spécialisation, etc. La crise du Parti communiste, du Parti socialiste, tout ça, ça joue un rôle. Et aujourd'hui, la critique sociale est du côté confusionniste ou ultra-conservateur, avec ce que j'appelle un hyper-criticisme, complotiste, anti-politiquement correct, etc., qui n'est plus lié à l'émancipation, mais qui est au contraire lié à la justification de discrimination. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'architecture intellectuelle de la gauche que personne, pas grand monde voit. On voit le recul de clivage gauche-droite, mais on ne voit pas qu'un des piliers intellectuels de la gauche est en train de s'affaisser et que les confusionnistes et les ultra-conservateurs sont en train de monopoliser en fait la critique. Bon. Donc, pour moi, l'émancipation, et donc il faut une formation discursive de l'émancipation. L'émancipation, elle a été basée au départ, on pourrait dire de Kant jusqu'à Castoriadis, autour du thème de l'autonomie, c'est-à-dire l'autonomie individuelle et collective pour s'arracher à des dominations. L'idée de Kant, des Lumières, en fait, c'est sortir des tutelles en créant une autonomie. Et je pense qu'il faut, parce que j'envisage une suite positive, un livre qui s'appelle « Réinventer l'émancipation », je pense qu'il faut ajouter à l'autonomie la question de l'ouverture identitaire et de l'hybridation identitaire. Parce que face au poids dans le monde aujourd'hui de l'identitarisme, parce qu'on a vu l'identitarisme ultra-conservateur, etc., mais il y a des formes d'identitarisme en Chine, en Russie, etc., dans le monde arabo-musulman. Donc, sans doute que l'identitarisme, c'est une des formes les plus courantes, ces fixations identitaires. Et donc, on doit redéfinir en partie émancipation par l'ouverture identitaire et par l'hybridation identitaire. C'est pour ça que, pour l'instant, je m'appuie beaucoup sur Lévinas et sur Glissant, comme deux pôle pour faire ça. Donc, il me semble qu'il faut réinventer une formation discursive de l'émancipation. Elle existe un peu. Un même locuteur peut participer à différentes formations discursives. Je me montre comment, à partir de décembre 2018, pour réagir aux Gilets jaunes, Macron plonge dans la formation discursive confusionniste et qu'il va amener, à partir de son premier discours qui annonce le grand débat, et c'est là qu'il va mettre immigration, identité, etc. Communautarisme, à un moment donné, communautarisme va être remplacé par un terme qu'il emprunte à Christophe Guillouis, mais il ne dit pas qu'il l'a emprunté à Guillouis, séparatisme, parce que c'est le premier qui utilise séparatisme dans le sens ethnique, bon, de ce type, etc. Bon. Donc, Macron avec Mélenchon dans mon livre sont parmi ceux qui, sur une dizaine d'années, sont parmi les professionnels de la politique les plus gros producteurs d'énoncés confusionnistes. Mais Macron participe aussi à la formation discursive néolibérale, qui n'est pas la même. Certains se focalisent à gauche uniquement en faisant du néolibéralisme le mal absolu. Non, le néolibéralisme, c'est une question. Ce que j'appelle ultraconservatisme, c'est une autre question. Mais Mélenchon, qui participe beaucoup à la formation discursive confusionniste, quand il a lancé, alors pour se sortir d'un guépier, etc., mais quand il a lancé le thème de la créolisation en empruntant à Glissant, il a contribué à l'émergence de la formation discursive de l'émancipation. Donc, les personnes, les locuteurs ne sont pas fixés sur une formation discursive. Et donc, ils peuvent participer à plusieurs en fonction des moments. Je pense que l'enjeu, c'est la réinvention et la stabilisation d'une formation discursive de l'émancipation. Et si dans l'espace public, on arrive à ça, ben, ça sera beaucoup plus facile pour les programmes et les projets politiques. Je pense que dans les groupes politiques, on est trop rapidement sur les projets, les programmes. Mais il nous manque un substrat culturel. C'est là où Gramsci a raison, mais il pense que c'est l'ensemble de la société. Je pense que c'est plus limité. Mais il nous manque ce substrat culturel sur lequel, après, sans problème, un programme peut se poser. Il n'y avait pas de problème pour poser sur le substrat culturel des années 70 le programme commun. Il était évident dans une matrice. Bon. Mais c'est pas le programme qui va réinventer la matrice, que j'appelle aussi la boussole. Une boussole, c'est comment s'orienter dans le brouillard. Donc, moi, je privilégie
pour l'instant la boussole au projet ou au programme, hein, comme pour sauver la gauche, l'idée historique de gauche. L'émancipation, c'était une des thématiques d'Emmanuel Macron en 2017. Oui, je l'analyse. Le lien entre émancipation et critique sociale, qui était justement, d'après vous, le fondement culturel de... Oui, j'analyse ces discours de Macron au début, j'ai fait récemment un texte sur progressisme et conservatisme pour reprendre ces questions pour la revue Le Pouvoir, mais Macron le fait dans la thématique de l'égalité des chances. Alors je reviens, c'est plutôt une thématique classique de l'égalité des chances, bon, qui a une certaine vision de l'émancipation particulière. Bon, et en plus, il le fait de manière beaucoup plus droitière que celui qui pourrait être l'appui intellectuel de ça, qui est John Rawls. John Rawls est beaucoup plus radical, hein, bon, pour penser la question de l'égalité des chances. Bon. Après, il va plus ou moins l'abandonner, hein, comme il va abandonner le progressisme. Donc évidemment, Macron aura peu participé vraiment à la formation discursive de l'émancipation. Il a relancé le mot à un moment donné, et puis il l'a abandonné, c'est vrai. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Courcuf. Est-ce que vous voulez faire un mot de conclusion? Il est 10h, donc je propose qu'on arrête les questions là. Si vous voulez faire une petite conclusion, et peut-être Laurent, tu concluras ensuite par quelques mots. Non, moi, je n'ai pas d'autre chose à dire. Je pense que c'est très important que se développent des débats de ce type et qu'il existe des espaces transversaux pour sauver l'idée historique de gauche. D'accord. Alors, je vois qu'il y a une question. Est-ce que vous avez encore quelques minutes? Monsieur Courcuf. J'ai quelques minutes, je n'ai pas de cours directement. Moi, j'avais une question aussi, alors du coup. Voilà. Alors, Charles, et après ouais. Laurent. Oui, merci, je ne sais pas si on m'entend. Oui, très bien. On m'entend. Merci beaucoup, moi je vais lire votre livre. Je trouve un peu dommage qu'avec la crise qu'on vient de vivre, il y avait quand même une opportunité pour moi de détruire l'extrême droite. De détruire l'extrême droite avec son discours sur la science, notamment. Et je trouve que la science n'est pas assez présente dans les débats pour contrer son discours. Et dans la science, il y a aussi tout ce qui a trait à la race, parce qu'aujourd'hui, très clairement, quand on entend les débats sur, par exemple, la sécurité, où on tente de faire de l'analyse sur des photos de gens qui sont plus ou moins basanés, des choses comme ça, il y a des choses qu'on devrait redire, je pense, sur les plateaux de télévision, qui sont importantes et qui permettraient justement de faire barrière à certains discours, d'expliquer pourquoi un homme est noir, pourquoi un homme a les yeux bridés, et ça mettrait tout le monde au même niveau. Parce qu'il y a des explications scientifiques, la science dit que nous sommes tous pareils, et ça remettrait un petit peu tout le monde à sa place. Voilà. Ça déjà, après on a vu pour les médicaments, etc., les méthodes de l'extrême droite, etc., on voit bien leur niveau en science, et je trouve qu'on leur en voit pas assez. Ensuite, dans les sciences, là on est dans les sciences dures, c'est pareil dans les sciences dites plates. Ma famille est en train de faire des recherches sur mon grand-père, qui était un résistant et un membre actif dans la résistance. J'ai fait des recherches, je suis allé sur le musée de la résistance, des choses comme ça, et c'était pile poil la semaine dernière quand est tombé le débat sur les prénoms avec Zemmour. Je vous invite à taper le prénom Mohamed au musée de la résistance. Si ça se trouve, Mohamed, c'est le profil type des gens qui ont été enregistrés pour des actes de résistance en France. Ça, c'est pareil. C'est des choses, quand on entend l'extrême droite parler d'immigration, d'identité, de prénoms, etc., on donne l'impression aux gens qu'il y a des immigrés en France que depuis 40 ans. Or, des Noirs, des Arabes, des gens qui ont fait des choses pour la France,
même aujourd'hui, hein, vous regardez dans les directeurs de thèse, dans la recherche, les noms des gens, vous seriez surpris. Et ça, je pense que c'est des choses qu'il faut avoir en tête, que la gauche doit avoir en tête, et ne pas plonger dans tout ce qui est sécurité, immigration. La gauche, elle doit se réapproprier la science. Elle doit se réapproprier les scientifiques. Si on se réapproprie la science, là, on a du bagage intellectuel à mettre en face. Je ne sais pas si... Voilà. Oui, j'indiquerai que, dans la phase confusionniste, dans la phase récente, il y a justement un mouvement de dénigrement des savoirs, hein, qui est important à noter. Dans la phase sur l'islamo-gauchisme, on a dénigré les sciences humaines en général et l'université. Ça a été un moment déjà, l'université n'a pas forcément une image très favorable, mais ça a été un moment de fort dénigrement de l'université par la ministre elle-même et par une série d'éléments et par certains, disons, universitaires ou chercheurs plutôt à la retraite, ceux qui ont porté le... Et puis après, le mouvement anti-pass, et ça, des secteurs de la gauche dite républicaine, ce qu'on appelle la gauche républicaine aujourd'hui, je mets toujours des guillemets parce que c'est ce secteur en particulier qui est obsédé par les musulmans. Bon. Pour la gauche radicale, elle a légitimé des formes de relativisme, de conspirationnisme, de dénigrement de la science fort en donnant sa caution à ces mouvements. Et donc, c'est vrai que les moments confusionnistes s'accompagnent aussi d'une certaine dévalorisation des savoirs, que ce soit les sciences dures ou les sciences humaines. Et c'est un élément préoccupant pour ça. Sur la question des prénoms, c'est très important aussi la façon dont... c'est pour ça que c'est les espaces publics. Dans les débats sur l'islam, on va souvent choisir deux grandes catégories d'interlocuteurs qui sont sur les plateaux télé ou qui sont mis en avant. Soit c'est des gens qui sont présentés comme des musulmans. En fait, ce sont des athées de culture musulmane et qui sont très hostiles à la religion musulmane. Donc, c'est comme si pour parler au nom des catholiques, on prenait des athées de culture catholique, ce qu'on ne fait pas. Hein. Ou alors, on a des identitaristes. Mais il y a énormément de variétés de figures qui ne sont pas visibles dans l'espace public. Moi, j'ai un jeune collègue qui s'appelle A.O.S. Seliger, qui est maître de conférence à Sciences Po Lyon, ici, qui a fait sa thèse sur l'islamisme au Maroc, qui est spécialiste maintenant de l'islamisme, etc., qui a beaucoup travaillé sur les connexions entre islamisme et extrême droite, notamment à travers Soral, qui est un progressiste, complètement un progressiste, qui est un pratiquant musulman, donc c'est pas un athée, c'est un musulman pratiquant. Il est complètement progressiste sur l'avortement, sur la situation des femmes, des homosexuels, etc. Il est très critique à l'égard de l'islamisme, etc. Il est très musulman, il est contre l'islamophobie, bien sûr, parce qu'il est musulman, et donc cette stigmatisation des musulmans lui pose problème. Mais c'est comme si un profil comme celui de mon collègue, qui a une trentaine d'années, n'existait pas. Oui. Dans l'espace public. Hein. C'est très étonnant. Voilà. On a soit des identitaristes, soit des gens présentés comme musulmans, mais qui sont plutôt hostiles à la religion musulmane. Hein. Bon, donc, évidemment, là, on n'a pas cette forme. Et donc, le débat tel qu'il est un peu restreint, en tout cas, disons, dans les espaces les plus médiatiques, pose problème. Voilà. Laurent, peut-être ta question ? Mais je ne veux pas prolonger outre mesure, enfin, si on a juste une minute, mais c'est une question un peu difficile, j'imagine. Vous avez décrit votre itinéraire, c'est intéressant, parce que c'est plutôt assez rare. Vous êtes parti plutôt de la social-démocratie, du Parti socialiste, mais maintenant, vous êtes allé constamment vers la gauche. Quoi. Et maintenant, vous êtes à la fédération anarchiste, qu'on peut classer un peu plus à gauche quand même que la social-démocratie. Tous ces gens dont vous parlez, les confusionnistes, les Onfray, ou Finkielkraut, ou même les gens du prétend républicain, ou mon ami Julien, avec qui j'ai travaillé pendant 15 ans, alors je suis un peu consterné de ses prises de position, mais comment expliquer qu'il y ait autant de gens qui étaient des gens convaincus
est très actif, hein, dans, soit dans le mouvement des idées, soit dans le militantisme, à gauche ou à l'extrême gauche, se retrouve de l'autre côté maintenant. Et ça me frappe beaucoup. Ça. Alors, ils vont dire c'est l'effet de l'âge ou c'est le conformisme ou je sais pas, où ils vont vers le pouvoir, j'en sais rien. Ça me paraît très court comme explication. Et est-ce qu'il n'y a pas, au fond, dans la manière dont la gauche a mené ses propres débats ou a conduit ses propres attitudes, des éléments, peut-être qu'on n'a pas fait exprès, mais qui ont fini par faire partir tous ces gens-là, qui étaient plutôt des gens de qualité avec lesquels on était d'accord, et avec lesquels on n'est plus du tout en accord parce qu'ils sont passés carrément de l'autre côté. Est-ce que le sociologue a une réponse à ça, ou est-ce que c'est purement psychologique, ma question ? Alors, il y a différents types d'explications. Comme il y a une forme générale, il faut se demander s'il n'y a pas des éléments transversaux. Il y a des éléments liés aux itinéraires. Et donc, on voit que les individus ne tombent pas au même moment, à peu près. C'est comme quand j'étais jeune lycéen, puis étudiant, et qu'on voyait, j'étais marxiste à l'époque, au CRS, et chaque mois, on voyait un ancien figure du marxisme passer de l'autre côté. Alors, c'était, il y en a eu plein comme ça, etc. On les voyait passer. Alors, évidemment, chacun c'était un itinéraire particulier. Six mois avant, il défendait des fois même des formes rigides de marxisme, mais après, il basculait complètement contre. Bon. Et donc, il y a un phénomène général. Il y a des phénomènes d'itinéraire personnel, je pense, qui sont liés à tel type d'évolution, préoccupation, etc. Dans le cas de Michel Onfray, que j'ai connu de manière proche, l'élément le plus basculant est un facteur psychologique personnel, hein, c'est la mort de son épouse, c'est ça qui a fait basculer, hein, je l'ai vu clairement. Bon. Donc, il y a eu un traumatisme personnel et il y a eu un basculement avec un dialogue entre lui et son épouse où elle fournissait des repères à gauche très nets et ses repères sont partis avec sa mort et ça s'est marqué. Bon, et donc, ça avait été son prof au lycée, hein, il y avait un grand écart d'âge, c'était son prof de français au lycée, et elle avait fourni un cadre intellectuel, sa mort, j'ai vu partir les choses, mais alors vraiment, très vite, maintenant, là, on ne sait pas où ça va, hein. Bon, c'est vrai. Donc, il y a des itinéraires individuels, et là, le sociologue peut voir l'itinéraire de chaque personne. Mais comme ça se répète, il faut se poser la question de savoir... c'est que le climat intellectuel, c'est-à-dire que, moi je dirais, il y a peu de gens à gauche qui maintiennent une boussole. Donc les gens sont aimantés là où il y a quelque chose qui se passe. Mmh. Et il n'y a rien qui aimante de notre côté. C'est-à-dire que la boussole a été déconstituée. Mmh. Et donc, là où il y a débat, là où il y a, pour les intellectuels, une sorte d'excitation du débat intellectuel qui va attirer les gens... pour les politiques, l'idée que c'est là que ça se passe, et que c'est là qu'on peut avoir des voix, etc., etc. C'est là. Et de notre côté, il n'y a pas grand-chose. On a plutôt connu une déconstruction des éléments. Et donc, on a plus cette force d'aimantation possible, de contre-aimantation. Hein. Et donc, il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui sont aimantés de ce côté parce qu'on n'a pas été capable de créer un cadre écologique, hein, au sens large de l'écologie, de gauche, qui crée pour les intellectuels de l'excitation, qui crée des anticipations d'ambition pour des politiques, etc., qui crée à cette possibilité. Hein. Non, on a vécu une grande déconstruction, c'est-à-dire après la déconstruction du communisme, qui a quand même été marquant dans la structuration de la gauche en France, on a eu la déconstruction de la social-démocratie. Alors, les deux piliers se sont déconstruits. Et la gauche radicale, on a cru, je l'ai dit, elle allait faire ça, mais non, en fait, hein, ça n'a pas fait cet élément. Bon. Et donc, je pense qu'il faut voir les éléments des itinéraires individuels parce que chacun ne tombe pas au même moment. Hein. Mais il y a un climat qui facilite, je pense. D'accord. Très bien, on va peut-être vous libérer, parce que là, ça fait longtemps qu'on vous prend votre temps, qui est précieux, celui de tout le monde. Et, je ne sais pas, il me reste à vous remercier. Et, on va être enregistré, je crois, donc on peut en faire notre miel. Et donc, au nom du groupe qui a participé à la discussion, merci beaucoup.